Merci beaucoup. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à la PHG de m'avoir invité. Je vais vous parler aujourd'hui de la République romaine. Donc j'ai intitulé ça l'Empire avant l'Empire. On fait traditionnellement commencer l'Empire romain en 27 avant notre ère, avec la conquête de l'Égypte par Auguste et le moment où il se déclare, le moment où Octave devient Auguste et Princeps. Le système politique nouvellement créé à ce moment-là, c'est un symbole de conquête et de puissance dans l'imaginaire collectif, mais il est pourtant déjà presque à son apogée au moment où il est créé sur le plan territorial. La Méditerranée est déjà un lac romain et qui s'est constitué en fait sous la République. Je vais commencer très brièvement par l'actualité entre guillemets de l'Empire romain. Je signale que pour la blague, cet article de, je crois que c'est L'Orient le Jour, bon, la référence à l'Empire romain, vous avez peut-être suivi, c'était le Master Mill de Rome il y a quelques semaines. Bon, la blague était facile. Malheureusement, Rafael Nadal n'est pas allé très loin dans le tableau. Mais sur un plan un peu plus marquant, bon, quasiment de pop culture hein, en rapport avec l'Empire romain, un peu plus marquant et bizarre, vous avez peut-être vu cette trend sur les réseaux sociaux. Alors ça a quelques mois maintenant, là l'article c'est West France je crois, il est daté du 5 janvier. Il n'empêche que ça a fait plusieurs milliards de vues pour le hashtag Roman Empire. C'est une trend qui est partie des USA, où les femmes typiquement demandent à leurs copains ou à leur mari, à leur conjoint, à quelle fréquence ils pensent à l'Empire romain. Et les réponses sont étonnantes, puisque beaucoup d'hommes déclarent y penser souvent, voire tous les jours. Je ne vous montre pas uniquement cet article pour la blague cette fois, parce qu'il est intéressant dans la mesure où il propose une interprétation historienne de la question, puisque la journaliste a interviewé Frédéric Hurlet, qui est professeur d'histoire romaine à Paris-Nanterre, et Frédéric Hurlet explique que la nostalgie pour cette période historique, évidemment, ne date pas d'hier, et que l'Empire romain est en quelque sorte une matrice, c'est le mot qu'il emploie. Je le cite, « On a toujours parlé à tout moment de l'Empire romain. La plupart des empires... » Alors là, la citation est terminée. La plupart des empires européens qui ont succédé à l'Empire romain se sont revendiqués de lui, pas que les empires européens d'ailleurs, depuis les Carolingiens jusqu'à Napoléon, qui se présentait dans une certaine mesure comme un continuateur de l'idéologie de l'Empire romain, jusqu'au début du XXe siècle, les tsars de Russie, le mot lui-même, tsar, est un dérivé de César, Kaiser en latin, de la même façon que le Kaiser allemand d'ailleurs, les Turcs eux-mêmes ont repris une partie de l'héritage romain, etc. Je cite à nouveau Frédéric Hurlet, « Ce qui change, c'est les questions que l'on pose à l'Empire romain. Il y a eu des phases où l'Empire romain était exalté, comme pendant l'époque coloniale, et d'autres, pardon, où il a plutôt servi de repoussoir, comme lors de la phase de la décolonisation, où il est devenu un anti-modèle. Chaque période se fabrique son propre Empire romain, et y projette ses propres fantasmes. » D'après une autre spécialiste, qui est toujours interrogée par la journaliste de l'article, Jacqueline Fabre-Séris, qui est professeure émérite à Lille, ce qu'on projetterait sur l'Empire romain, ce serait aujourd'hui davantage une forme de nostalgie de sa puissance perdue. Je suis d'accord avec cette analyse, d'autant plus que récemment, cet intérêt pour Rome en lien avec une forme d'angoisse contemporaine a été illustré, c'est donc 2023 aux presses universitaires de Yale, c'est vraiment très récent, par cet ouvrage en traduction « Pourquoi les empires s'effondrent ? Rome, l'Amérique et le futur de l'Occident ». Bon, alors c'est quand même, je trouve, assez fascinant de se rapporter comme ça à Rome pour essayer de trouver des voies d'interprétation de son propre avenir, en particulier les USA, hein, parce que c'est l'Occident, mais c'est quand même surtout les Américains, c'est un ouvrage américain. Et je vous ai mis un extrait, le titre d'un compte-rendu de l'ouvrage par le magazine The Economist, en traduction encore, « Rome s'est effondré, est-ce que l'Occident d'aujourd'hui suivra la même voie ?» Bon. Alors, on en pense ce qu'on en veut, l'ouvrage n'est pas inintéressant en lui-même, mais ça marque en tout cas pour moi au moins un des intérêts pour comprendre l'Empire romain. Et pour comprendre l'Empire romain, je pense qu'il faut d'abord en comprendre sa constitution, la façon dont il s'est constitué, ses origines. Et ça, pour faire ça, il faut remonter au régime précédent qui est la République romaine. Puisque l'Empire, territorialement, s'est constitué essentiellement dans les deux derniers siècles de la République, avec l'écrasement de Carthage et de la Macédoine, plutôt de la Macédoine puis de Carthage, la provincialisation de la Grèce, les conquêtes de Pompée et de César en Orient et en Gaule notamment, l'annexion de l'Égypte, etc. Mais le mouvement d'expansion de Rome, il a commencé plus tôt encore, dès le 5e ou le 4e siècle. Donc,
Je l'avais indiqué, comme je l'avais indiqué dans le court résumé qui accompagnait la présentation de la conférence, je vais m'attarder particulièrement sur les guerres contre Carthage et la Macédoine. Mais contrairement à ce que j'avais indiqué, je ne parlerai pas des conquêtes du 1er siècle. Vraiment, en passant, comme pour les résumés, les conquêtes de Sulla, Pompée et César, typiquement, c'est aussi une période d'extension considérable pour Rome, mais d'une certaine manière, c'est la continuité, une exacerbation, une accélération d'un processus qui trouve son origine bien plus tôt. J'ai donc basculé la chronologie pour descendre moins bas, mais pour remonter un peu plus haut, parce que si on a tendance à considérer que les débuts de l'impérialisme romain, on les fixe aux guerres puniques, dans la deuxième moitié du IIIe siècle, la première guerre punique c'est 264, on peut dire en fait que le mouvement a commencé dès la conquête de l'Italie au IVe. Il serait aussi difficile d'évoquer 400 ans d'histoire en une heure sans être extrêmement superficiel, donc j'ai essayé de réduire un peu. Les questions auxquelles on essaiera de répondre, c'est donc comment l'Empire s'est constitué et pourquoi. Alors, est-ce que même il y a un pourquoi? Est-ce qu'il faut chercher une raison, plusieurs raisons à cette constitution territoriale, d'un empire territorial? Ce sera l'objet de la dernière partie qui sera plus courte et un peu plus théorique. Alors, Rome, elle est fondée au 8e siècle et la date traditionnelle, c'est 753. Elle devient rapidement une agglomération considérable, un des principaux centres de la région du Latium. Mais à cette époque-là, il y a en Italie une trentaine de peuples, les Étrusques, les Latins, les Samnites, les Lucaniens, les Campaniens, etc. Donc l'Italie est une forme de mosaïque ethnique un peu dans laquelle Rome n'a évidemment dans un premier temps aucune primauté. Au VIe siècle, je vais passer rapidement sur le VIe et le Ve, c'est pas ce qui nous intéresse en priorité aujourd'hui. Les Romains sont opposés notamment aux Volsques, qui sont au sud, vous les voyez sur la carte, au sud de Rome, et à la cité étrusque de Veies, sur la carte c'est Veii, c'est au nord cette fois, juste au nord de Rome. Les Étrusques qui dominent le Latium à cette époque-là, qui donnent trois rois à Rome, avant la fondation de la République, dont la date traditionnelle, je vous l'ai dit, est fixée à 509. Au Ve siècle, donc, les Romains opposés aux Volsques et à Veies, ils forment à cette époque une alliance avec les Latins et les Herniques, qui est la Ligue Latine, qui tiendra plusieurs siècles. Dans la première moitié du IVe, Rome commence à affirmer sa puissance. Veies tombe en 396. Les Romains parviennent ensuite à repousser progressivement les raids des barbares qui viennent de Cisalpine, c'est-à-dire du nord de la péninsule italienne. En 390, Rome avait été mise à sac et pillée par les Gaulois, guidés par leur chef Brennus. C'est l'épisode de Waewictis, Malheur aux vaincus. Et c'est aussi le personnage qui donne son nom au trophée du top 14 chez nous. Bon, je m'étends pas. Donc, une affirmation progressive, mais les relations avec les voisins demeurent difficiles, avec les Volsques et avec les Èques en particulier, au sud. Et l'alliance avec les Latins et les Herniques est fragilisée par la montée en puissance de Rome, qui inquiète ses propres alliés. La superficie de son territoire, 150 km² à l'origine, c'est déjà considérable. Elle passe à 822 km² au début de la République, à 1580 km après la chute de Veies, et à 1800 km² dans la première moitié du IVe. À ce moment-là, la ville est déjà devenue la principale puissance d'Italie, d'Italie centrale du moins. Et elle avait signé par ailleurs des accords avec d'autres puissances méditerranéennes, dont Marseille, Massalia, en 389, et Carthage déjà en 509, avant même la chute de la royauté. Entre la deuxième moitié du IVe et le début du IIIe, le principal conflit dans lequel Rome se trouve impliqué, c'est les guerres samnites. Les samnites sont un peuple qui dispose, comme Rome, d'un réseau d'alliés et qui poursuivent, comme elle, une politique d'expansion. En 354, les deux concluent un traité pour établir une limite des zones d'influence, donc une limite à ne pas dépasser pour éviter de se marcher sur les pieds. Ça ne dure pas très longtemps, les deux politiques expansionnistes se heurtent bientôt, et Romains et Samnites s'affrontent une première fois à la fin des années 340 pour le contrôle de la Campanie. La Campanie, c'est la région qui est à l'est, au sud, pardon, de Rome, c'est la région aujourd'hui de Capoue et de Naples. Vous l'avez sur la carte. Le traité romano-samnite est rétabli à l'issue de cette guerre, donc une forme de statu quo, et Rome est ensuite confrontée à la guerre latine, dans laquelle elle doit affronter ses propres alliés. Vous vous souvenez, les Latins et les Herniques, donc c'est 341-338. La fidélité de ses alliés s'était relâchée, elle remporte cette guerre, et elle procède à ce moment-là à une réorganisation profonde du Latium,
dont les historiens modernes considèrent parfois que c'est la première étape vers la domination mondiale, entre guillemets, d'Europe. C'est vraiment le moment où elle réorganise le territoire sur lequel elle a, le territoire qu'elle a préempté, disons. La Ligue latine est supprimée, et Rome désormais gouverne, mais évidemment sans l'admettre explicitement, ses anciens membres. L'historiographie anglo-saxonne peut parler d'un système qui est un peu semblable à un Commonwealth. Ce vaste système d'États et d'alliances, il confère à Rome, à partir de ce moment-là, une prééminence absolue, militairement, démographiquement et économiquement, en Italie. L'intérêt d'augmenter encore son territoire devient alors plus évident encore, parce que plus vous conquérez de territoires, plus vous possédez de ressources et plus vous possédez d'hommes, c'est-à-dire des hommes qui sont mobilisables pour la guerre, donc pour la guerre, pour conquérir encore plus de territoires. Donc ça commence à devenir une machine qui s'auto-entretient d'une certaine manière. Rome se lance donc dans une politique de guerre à outrance contre les cités du Sud. La guerre avec les Samnites se rallume rapidement, 326, et le conflit ne s'achève que plus de 20 ans plus tard avec la capture du général en chef des Samnites. Un traité est conclu pourtant dans les mêmes termes qu'en 354, donc on est encore dans une forme de situation de statu quo, mais les Samnites sont de plus en plus encerclés puisque les Romains détachent progressivement leurs alliés pour les faire passer dans son camp. En parallèle, Rome lutte au nord contre les cités étrusques qui avaient tenté de profiter de la situation. C'est une énième guerre d'Étrurie. Je passe, il y a des guerres, il y en a quelques-unes dont je ne vous parle pas. C'est vraiment, je vous aurai un encadré tout à l'heure, vous verrez à quoi ça ressemble le 4e et le 3e siècle. Le 5e et le 4e siècle. Le conflit ne s'achève quand. Donc, pardon, ça j'ai déjà dit. Bon, on a tendance à distinguer une deuxième et une troisième guerre samnite, mais bon, en réalité, c'est un peu. Disons que les trêves et les traités ne marquent que des pauses très temporaires dans les hostilités. La guerre est reprise en 299, puisque l'expansionnisme romain, je vous l'ai dit, enserre progressivement les Samnites. Ils attaquent les Lucaniens, au sud sur la carte, qui étaient auparavant leurs alliés et qui sont passés à Rome, qui les attaquent pour leur demander des comptes. Et Rome entre en guerre, déclare la guerre aux Samnites, officiellement pour défendre leurs nouveaux alliés lucaniens, en réalité pour se débarrasser des Samnites. Une décision qui avait été prise il y a quelques temps déjà au Sénat, les Romains étaient décidés à régler le problème samnite, qui était le dernier peuple d'Italie centrale qui ne leur était pas subordonné. C'est un mécanisme qu'on reverra plusieurs fois, ça. Rome qui se saisit d'un casus belli, d'un prétexte pour déclencher une guerre pour laquelle en fait elle a des raisons plus profondes. Mais elle cherche une excuse, entre guillemets, légitime. Les Samnites doivent traiter en 290, ils passent de fait sous le contrôle des Romains. Les Romains, ils se lancent dans la foulée contre les Sabins, au nord, dont le territoire est également annexé. Donc, on est à une époque où, ça y est, progressivement, l'Italie tombe sous la domination romaine. Au 4e et au début du 3e siècle, la République acquiert donc sa forme et ses institutions, bon, on ne peut pas dire définitives, mais disons qu'elles s'inscrivent de façon solide, dans l'histoire, le système des magistratures, les assemblées, que les Romains appellent les comices, le Sénat commence à prendre une place prépondérante, etc. Certains considèrent que, déjà, la République devient alors expansionniste. Dès la chute de la métropole étrusque de Véies, en 396, avant, les guerres de Rome étaient peut-être davantage des guerres de défense, entre guillemets, contre des voisins belliqueux et agités, mais après la prise de Véies, les Romains se rendent compte que la conquête territoriale permet de redistribuer des terres aux plus pauvres de ses citoyens. Donc il y a un intérêt économique, il y a aussi un intérêt social, puisque ça limite la tension sociale. La noblesse, quant à elle, utilise évidemment les victoires militaires comme source de prestige. Le fonctionnement des institutions fait progressivement de Rome une machine guerrière, où la guerre s'auto-entretient. Durant les années de la conquête de l'Italie centrale, la République est dominée par un groupe restreint d'aristocrates. 14 hommes exercent 54 fois le consulat sur une période de 72 ans, entre 366 et 280. On a un peu l'impression de voir le tennis dans les années 2000-2010. L'ambition de Rome la pousse désormais plus loin vers le sud, et un traité est conclu avec Tarente. Alors, donc c'est une période au 9e-8e siècle, la colonisation grecque dans la Méditerranée a implanté un certain nombre de cités en Italie du Sud, vous avez la carte, et une des plus importantes est Tarente, et Rome conclut un traité de la même manière qu'avec les Samnites, avec une limite à ne pas dépasser pour ne pas empiéter sur la zone d'influence de Tarente. Mais Rome se présente aussi comme favorable aux Grecs, ouverte à l'hellénisme, et elle installe par exemple des garnisons à Tourioi, à Locre ou à Crotone pour officiellement les protéger contre les barbares indigènes, entre guillemets,
en particulier les Lucaniens, vous l'avez, c'est la région dans le, quasiment dans la boîte italienne, donc où les cités, ces cités-là sont implantées. Elle saisit en fait Rome toutes les occasions de heurter la sensibilité entre guillemets des Tarentins pour les pousser à déclencher une guerre. Elle va jusqu'à, très peu de temps après, violer ouvertement le traité qu'elles avaient conclu ensemble en envoyant une flotte croisée dans la zone sous contrôle de la cité. Les Tarentins convoquent l'ambassadeur romain, où il aurait été humilié par l'Assemblée des Tarentins, ce que les Romains ont monté ensuite en épingle, d'après la tradition romaine. Enfin, la tradition romaine ne dit pas qu'ils l'ont monté en épingle, mais le Sénat romain en aurait fait une affaire d'État, alors que c'est eux qui sont en tort au départ, hein, ils ont violé le traité contre Tarente, et ils s'en servent de casus belli pour déclencher la guerre contre Tarente. Ils mettent le siège devant la cité en 281, et Tarente appelle à son secours Pyrrhus des Pires. Les Pires, c'est la région que vous voyez en bleu, à le nord-ouest de la Grèce. Pyrrhus, qui avait échoué à s'emparer du trône de Macédoine quelques années auparavant et qui rêvait de conquête, donc Pyrrhus débarque en Italie du Sud avec une armée aussi importante que celle d'Alexandre, que celle qu'Alexandre avait emmenée en Perse quelques décennies auparavant. Je passe sur le détail des opérations de la guerre de Pyrrhus, parce que c'est relativement long, c'est tout un poème aussi. Bon, Pyrrhus prend d'abord l'avantage, puis il finit par être poussé, il mène aussi des opérations en Sicile. Il est finalement battu à Bénévent par Rome et doit quitter l'Italie en 275. Rome a maintenant les mains libres, et dans la décennie suivante, elle fait tomber Tarente en 272, et soumet progressivement le sud de l'Italie, la façade est sur l'Adriatique, et l'Étrurie, encore, qui est toujours agitée, et qui est définitivement soumise dans les 35 premières années du 3e siècle, et ça s'achève, la date qu'on retient, c'est la destruction de la dernière cité libre d'Étrurie, qui est Volsigny, en 264. Donc, en 130 ans, entre la chute de Véies en 396 et la chute de Volsigny en 264, qui sont deux cités étrusques, Rome a établi sa domination sur toute l'Italie péninsulaire, sauf la Cisalpine, on y reviendra un peu, et entièrement alliée et soumise désormais aux réquisitions de troupes notamment. Les aristocrates de la République ont besoin de remporter des victoires militaires, qui jouent un rôle central dans la poursuite de leurs objectifs politiques, puisque la gloire militaire rendait célèbres les magistrats, elle augmentait leur charisme, qui était considéré comme la marque de la faveur des dieux. Vous remportez des victoires, vous êtes béni, protégé par les dieux, favorisé par les dieux, et donc on a priori tout intérêt à voter pour vous. Le butin, évidemment récupéré sur les ennemis, était utilisé dans de grandes dépenses somptuaires. Au IIIe siècle, les historiens ont calculé qu'un temple était construit dans la ville de Rome, un nouveau temple, tous les deux ans, dans la ville uniquement, pas en Italie, dans la ville de Rome. La conquête avait résolu, je l'ai déjà dit en partie, une grande partie des problèmes socio-économiques aussi. Malgré les guerres incessantes, l'économie romaine était florissante. À ce stade-là, ce qu'il est important de signaler, c'est que cette conquête, elle ne répondait pas à un plan préconçu. Il n'y a pas de politique cohérente où le Sénat s'est rassemblé un jour en se disant « à partir de maintenant, on va partir à la conquête du monde ». Cette conquête, elle répond à l'ouverture à la fois de nouveaux fronts au gré des opportunités entre guillemets qui s'ouvrent, et elle répond aussi aux stratégies évidemment familiales et aux ambitions individuelles. Bon, vous voyez la carte avec l'extension du territoire romain. Ce que la carte montre, c'est le territoire qui appartient en propre à Rome et le territoire aux cités latines et herniques. En vérité, quand on arrive en 263, même la partie de l'Italie qui n'est pas coloriée, entre guillemets, est sous la domination de Rome. Ce sont les peuples alliés qui sont soumis par traité à Rome. Je vous ai mis à droite un encadré, bon ça c'était vraiment pour vous donner une idée, un encadré d'une page Wikipédia, conquête romaine de l'Italie, 240 ans de guerre romaine, vous voyez un peu, en fait, Rome est en guerre quasiment perpétuelle à cette époque. L'étape suivante, c'est naturellement... quasiment naturellement, l'expansion outre-mer, qui se fait d'abord aux dépens de Carthage. Carthage, c'est une puissance maritime, une cité-État fondée par les Phéniciens au 9e ou 8e siècle. La cité est devenue considérable et un centre commercial dès le 7e. Il est intéressant de noter que la constitution de Carthage la rapproche un peu de celle de Rome, dans la mesure où c'est un système mixte avec un équilibre entre des tendances, entre guillemets, monarchiques, oligarchiques et démocratiques. Là où les Romains ont des consuls, le consul c'est en quelque sorte le magistrat suprême, celui qui ils sont élus annuellement et ils disposent du pouvoir de mener les opérations militaires en particulier.
Les Carthaginois, de leur côté, ont des suffètes, élus pour un an par l'Assemblée, donc sur le même, à peu près le même principe. Des magistrats annuels, un conseil restreint qui forme un équivalent du Sénat, un corps civique, etc. La puissance carthaginoise, elle s'est étendue progressivement sur l'arrière-pays, de ce qui est aujourd'hui la Tunisie, par des victoires militaires, par l'imposition de traités aux vaincus qui devaient mettre à disposition des troupes, etc. On a encore le même système, un peu, on retrouve un peu le même système que celui de l'expansion romaine en Italie. Ce qui, en revanche, distingue nettement à cette époque Rome de Carthage, ou Carthage de Rome, c'est la flotte. Parce que Carthage est une puissance navale considérable, grande puissance maritime, qui domine à cette époque la Méditerranée occidentale. Elle avait pris également le contrôle d'une partie de la Sicile et de la Sardaigne, au VIe siècle déjà, en Sicile notamment contre les Grecs, qui occupaient la partie orientale de l'île, et aussi le littoral de la péninsule ibérique, on y reviendra. Bon, l'expansionnisme romain, on vient de le voir maintenant, il n'a pas commencé avec les guerres puniques, mais les guerres puniques marquent une accélération considérable dans le phénomène de conquête. D'une certaine manière, l'Italie aura servi de lampe de rancement aux Romains. Le traité de Carthage avec Rome, qui avait été renouvelé encore pendant la guerre de Pyrrhus, donc en 509, il avait été conclu, renouvelé au IVe siècle, renouvelé encore en 279, il n'empêchera pas Rome de déclencher la guerre, de déclarer la guerre à Carthage, à propos de la Sicile, on y revient, sans se douter à ce moment-là qu'elle s'engageait dans un conflit de 23 ans. Je change de carte. Le casus belli, l'élément déclencheur de la première guerre punique, c'est l'intervention romaine en faveur des Mamertins. Les Mamertins, c'est une troupe de mercenaires italiens qui avait pris le contrôle de la ville de Messine. Messine, c'est en Sicile, dans le détroit. Les Mamertins s'étaient rendus coupables de pillage, notamment au détriment de la ville de Syracuse, et Hiéron, qui était le roi de la cité de Syracuse, leur avait déclaré la guerre en 275, il leur avait infligé plusieurs défaites, et les Mamertins ont fait appel à la fois à Rome et à Carthage pour les aider, puisque Rome et Carthage, je rappelle, étaient alliés à ce moment-là. Carthage envoie une flotte, installe une garnison dans la ville, et Rome les reconnaît comme alliés, les déclare alliés du peuple romain, et envoie un corps expéditionnaire chargé de défendre Messine en demandant aux Carthaginois de quitter la ville. C'est quand même particulier, c'est vos alliés, et puis vous envoyez une flotte alors qu'ils sont déjà installés dans la ville pour les défendre, on leur dit « bon, maintenant vous pouvez rentrer chez vous, on gère la situation ». Ils n'ont même pas besoin de s'opposer eux-mêmes aux Carthaginois, parce que les Mamertins, quand ils apprennent que l'arrivée des Romains est imminente, ils expulsent eux-mêmes la garnison carthaginoise. Les Carthaginois sont un peu vexés, ils sont inquiets aussi de leur côté de la possible expansion de Rome en Sicile, et ils passent dans le camp de Hiéron, et ils s'opposent désormais, donc vraiment un renversement d'alliance, et ils s'opposent désormais aux Mamertins soutenus de leur côté par Rome. Les causes profondes de la guerre, donc ça vous avez compris maintenant, hein, c'est le prétexte un peu au déclenchement de la guerre, les causes profondes de la guerre en réalité, du côté de Rome en tout cas, puisque c'est elle qui déclenche cette guerre a priori, c'est à la fois la crainte d'être pris en étau entre Carthage au sud et à l'ouest, puisque Carthage est aussi en ce qui est aujourd'hui l'Espagne, la Macédoine à l'est, puisqu'ils avaient déjà eu le problème avec Pyrrhus, les Gaulois au nord qui mènent des raids régulièrement, et évidemment les opportunités d'acquérir la gloire et d'immenses fortunes par la guerre. Bon, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le détail pour avancer. Dès l'année suivante, les Romains remportent plusieurs succès, Hiéron change de bord, il passe aux Romains, il redevient leur allié fidèle. Mais à l'époque, Rome mène encore des campagnes annuelles. C'est-à-dire que la guerre est déclenchée chaque année au printemps, elle a lieu au printemps et à l'été, et à la fin de l'été, l'armée n'hiverne pas sur le théâtre d'opération. Le consul ramène son armée en Italie, il célèbre un triomphe, et ça permet en fait aux Carthaginois de reconstituer leurs forces, ce qui est peut-être aussi en partie une des raisons la durée de cette guerre. Les Romains progressivement s'emploient à détacher de Carthage les populations indigènes de l'île qui lui étaient alliées. Et ils se lancent ensuite, alors ça c'est un point important, dans une phase navale des opérations. C'est un point crucial de la construction de la puissance romaine qui, à ce moment-là, se dote d'une flotte de 120 vaisseaux. C'est encore quasiment seulement la moitié de la flotte carthaginoise, mais c'est un pas important. Je passe sur le détail. Les Puniques sont progressivement cantonnés à l'extrémité occidentale de l'île. La résistance acharnée d'Amilcar Barca, c'est le commandant des forces puniques en,
en Sicile, c'est aussi le père d'Hannibal, dont on parlera évidemment après. Sa résistance acharnée met en échec la flotte romaine plusieurs fois, mais à chaque fois, les Romains parviennent à la fois à reconstituer leurs équipages, grâce à leurs ressources démographiques exceptionnelles et à celles de leurs alliés, et à reconstruire leurs navires très rapidement. La flotte carthaginoise est finalement défaite aux îles Égades en 241, ou Égates, dépend des traductions. Carthage est épuisée, elle doit demander la paix. Les conditions de Rome sont très dures. Rome prend possession de la Sicile, moins Syracuse et quelques villes alliées. Et Carthage doit payer une indemnité de guerre de 3200 talents. Le talent, c'est une unité de compte monétaire antique. Ça représente 3200 talents, c'est 83 tonnes d'argent. Et c'est un paiement qui est lissé sur 10 ans, donc c'est monumental. Rome, pendant les 23 ans qu'avait duré la guerre, avait montré sa capacité à maintenir en permanence 8 légions sous les armes, soit environ 45 000 soldats, et à reconstituer sa flotte avec une rapidité exceptionnelle. La guerre lui rapporte un immense butin, une grande quantité d'esclaves. Elle sort de la guerre plus puissante qu'elle n'y est entrée, alors que Carthage, épuisée, est en plus confrontée à une grave révolte des mercenaires, qui profitent de sa faiblesse pour essayer de s'emparer de la ville. C'est l'épisode de Salammbô, de Flaubert. Hamilcar Barca, une fois qu'il est vainqueur des mercenaires, prépare une expédition pour reprendre aussi le contrôle de la Sardaigne, qui avait profité de la faiblesse de Carthage pour s'émanciper, et dont le traité de 241 leur laissait la possession. Mais à ce moment-là, le Sénat fait semblant de croire que l'expédition est dirigée contre Rome, elle envoie un ultimatum à Carthage, en lui intimant de retirer ses troupes, sans quoi elle lui déclarait la guerre. Donc les Carthaginois doivent renoncer à la Sardaigne et payer une amende supplémentaire, alors même qu'ils n'ont pas combattu. Donc on entre là un peu dans le système du cynisme romain, vraiment on commence à voir à quoi ça ressemble. La Sicile d'abord, puis la Sardaigne, à laquelle on adjoint la Corse, forment les deux premières provinces de Rome. Donc les premières provinces de Rome, ça marque ça un changement important sur le plan conceptuel, parce que jusqu'à présent, les conquêtes dans la péninsule avaient débouché sur des confiscations de terres ou sur l'intégration des vaincus comme citoyens ou le plus souvent comme alliés. Ce mécanisme, il s'arrête avec la conquête de la Sicile. À part quelques cités qui sont jugées suffisamment proches culturellement pour être alliées de Rome, les populations provinciales sont considérées proprement comme des sujets et comme telles soumises à un tribut. Les Romains se lancent en parallèle à la conquête de la Gaule cisalpine entre 238 et 223, notamment dans la plaine du Pô, hein, c'est ce que vous avez dans le nord, qui est occupée à cette époque-là par des populations gauloises et ligures. Alors les Gaulois, en réponse à l'expansion romaine, ils mettent sur pied une expédition gigantesque, une coalition de probablement 50 000 fantassins et 20 000 cavaliers. Les Romains ont d'abord brièvement de lourdes pertes, 6 000 morts, dont un consul à Florence, mais ils retournent rapidement la situation, ils mènent une contre-offensive fulgurante. Mais cette première étape de la conquête de la Gaule cisalpine, elle est stoppée net par Hannibal, qui débouche dans la plaine du Pô avec ses éléphants en 218, après avoir traversé les Alpes. Dès la fin de sa guerre contre Rome, Carthage s'était lancé dans une politique d'expansion en Afrique du Nord et en Ibérie, en particulier, pour compenser la perte économique que représentait la perte de la Sardaigne et de la Sicile. Les Romains, qui étaient inquiets de l'avancée punique, avaient envoyé à Hasdrubal une ambassade en 226 pour négocier un traité qui fixait l'Èbre comme limite. Donc c'est comme avec les Samnites, comme avec les Tarentins, on fixe une limite que les deux parties ne sont pas censées dépasser. L'Èbre, c'est le fleuve qui est au nord, vous ne le voyez pas trop parce qu'il est à la jonction des deux pages, il est au nord de la péninsule ibérique. Donc les Carthaginois n'ont en principe pas le droit de passer au nord de cette ligne. Le casus belli de la Deuxième Guerre punique, ce fut la lutte pour Sagonte. En 219, le fils d'Hasdrubal, assiège la ville, qui est à ce moment-là alliée à Rome. Les Romains envoient une ambassade en leur intimant de cesser le siège, mais Hannibal les renvoie au traité de 226, puisque Sagonte, vous la voyez sur la carte, elle est au sud de l'Ebre. Donc en fait, elle appartient à la zone d'influence de Carthage, et en fonction de l'interprétation qu'on fait du traité, Carthage est légitime à essayer de s'en saisir. Rome déclare la guerre en 218, donc encore une fois, ça c'est le prétexte d'une certaine manière, mais les causes profondes de cette guerre, elles furent disputées dès l'Antiquité. Chaque camp cherchait à en rejeter la responsabilité sur l'autre, et Hannibal s'était même entouré d'historiens pour promouvoir sa version.
des faits et faire porter la responsabilité aux Romains. Paradoxalement, nous, on a perdu tous ces documents-là, quasiment, et il nous reste essentiellement la version du vainqueur, la version des historiens romains. Hannibal prépare une énorme expédition, 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers, 37 éléphants. Son objectif n'était probablement pas de détruire Rome, mais de l'affaiblir suffisamment en détachant ses alliés d'elle pour récupérer Sardaigne et Sicile. Il passe par l'Espagne, les Romains sont incapables de l'arrêter du côté, ce qui est aujourd'hui le côté français des Alpes, il traverse, il subit de lourdes pertes, parce qu'on est à l'automne et en hiver. Il arrive en Italie avec seulement 20 000 fantassins, 6 000 cavaliers et 21 éléphants, mais il est rallié par des populations celtiques et ligures, et l'armée romaine est d'abord balayée une première fois au Tessin, au fleuve Tessin. D'autres Gaulois le rejoignent progressivement, plus il remporte des victoires, plus les populations locales le rejoignent. Ils sont désormais 20 000, les Gaulois uniquement, qui s'ajoutent aux forces carthaginoises. Fin 218 ou début 217, l'armée romaine, deux consuls, 36 000 hommes, sont écrasés à la Trébie, la rivière. Ça, c'est la bataille suivante. Juin 217, catastrophe du lac Trasimène. C'est quelque chose, une bataille qui restera un traumatisme dans l'esprit romain pendant des siècles. 10 ou 15 000 soldats romains sont massacrés, dont le consul Flaminius. Je vous ai mis un tableau du 19e, la fin du 19e. Le chef gaulois du quart décapite le général romain à la bataille de Trasimène. Donc 15 000 morts, plusieurs milliers de prisonniers. Encore aujourd'hui, à côté du lac Trasimène, il y a un bourg italien qui s'appelle Sanguinetto, qui signifie sanguinolent, qui a peut-être gardé la mémoire de cet événement. À l'occasion de cette bataille, Hannibal déploie une stratégie brillante, qui est parfois décrite par les historiens militaires aujourd'hui, comme la plus grande embuscade de l'histoire. Hannibal est à ce moment-là à 200 km de Rome, mais il renonce à marcher sur la ville, il n'a pas l'intention de marcher sur la ville. Il relâche les prisonniers italiens, pas les prisonniers romains, pas les citoyens, mais les prisonniers des alliés, en les renvoyant chez eux pour leur faire comprendre, en leur faisant comprendre qu'il est leur libérateur, en fait. Donc, toujours dans sa stratégie de détacher les alliés de Rome de Rome. Il part ensuite vers la côte adriatique, pendant que les Romains désignent un dictateur, c'est-à-dire qu'ils confient les pleins pouvoirs à Quintus Fabius Maximus. Fabius Maximus, il est conscient de l'impossibilité de vaincre Hannibal dans une bataille rangée. Les Romains ont déjà subi quatre batailles catastrophiques, défaites catastrophiques en trois ans. Et il évite le combat direct et harcèle les Carthaginois en faisant durer le conflit pour affaiblir l'adversaire. C'est une tactique qui lui vaudra le surnom de Cuntator, c'est-à-dire temporisateur. En 216, les nouveaux consuls lèvent chacun 4 légions, pour un total de 80 000 hommes, et ils marchent contre Hannibal, qui les écrase à Cannae. Alors ça, c'est tout simplement la pire défaite de l'histoire romaine, pour autant que je sache. 50 000 morts, dont un consul, 19 000 prisonniers. C'est la troisième ou la quatrième défaite en 2 ans. La plupart des alliés d'Italie à ce moment-là font défection et rejoignent Hannibal, qui est alors à l'apogée de sa puissance. Dans les années suivantes, paradoxalement, peut-être pas paradoxalement, mais en tout cas à ce moment-là, on aurait eu du mal à s'imaginer que le cours de la guerre allait prendre en ce sens-là, Fabius Maximus est à nouveau plusieurs fois à la tête des opérations, et sa stratégie grignote progressivement les possessions carthaginoises. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, mais en 205, Hannibal est forcé de quitter l'Italie, notamment pour faire face à l'offensive romaine en Afrique. Les Romains ont fini par comprendre que pour obliger Hannibal à quitter l'Italie, il fallait l'attaquer par à revers et directement sur son territoire. Et Hannibal est obligé d'aller porter secours à sa propre cité. À ce moment-là, Rome mène deux guerres en parallèle, puisque en plus de la guerre en Italie, elle guerroie également en Ibérie pour empêcher Hannibal de lever des renforts. Elle se porte en plus en Afrique. En 210, la guerre du côté romain avait été confiée à un jeune fils de consul qui était mort au combat, Publius Cornelius Scipio. Lui-même n'avait encore exercé aucune magistrature importante, à ce moment-là il est privatus cum imperio, c'est-à-dire un simple citoyen doté d'un commandement militaire. Il remporte de nombreux combats en Espagne, ce qui lui permet d'être élu à peu près légitimement au consulat en 205. Il débarque en Afrique en 204 et il affronte finalement Hannibal à Zama en 202. Il écrase les forces carthaginoises, et les Carthaginois sont obligés de demander la paix, qui lui est accordée encore une fois dans des conditions très rudes, plus encore que la fois précédente, bien sûr. Elle doit renoncer à l'Espagne, elle est cantonnée à l'Afrique, elle livre sa flotte, elle livre des otages,
et elle doit livrer sur 50 ans une amende de 10 000 talents, qui représente 260 tonnes d'argent cette fois. Vous voyez, à chaque fois, on monte d'un cran. Rome, quant à elle, évidemment, a encore agrandi son territoire, avec une grande partie de la péninsule ibérique, qui sera provincialisée en deux parties en 197. Enfin, la péninsule ibérique est partagée en deux provinces. Et en Italie, des terres sont confisquées aux alliés qui s'étaient révoltés et ajoutées à la guerre publicus, c'est-à-dire à la terre publique de Rome. Alors ça, c'est pour les externalités positives, entre guillemets, de la guerre du côté romain. Pour autant, la société romaine s'en sort évidemment pas indemne et subit ce que le grand historien britannique Arnold Toynbee a appelé l'héritage d'Alexandre, Hannibal's Legacy. 4,5 millions de deniers de dépenses par an, c'est ce qu'a représenté la guerre pour les Romains. Donc ça représente 19 tonnes d'argent par an. À la limite, bon, étant donné l'amende qui est imposée à Carthage, ça, on peut rentrer dans ses frais. Ce qui est beaucoup plus difficile à combler, c'est le déficit démographique de la guerre, qui a fait 200 000 morts en Italie. Il faudra au moins deux décennies à l'Italie pour combler ce déficit. Je vous ai mis les chiffres sur le PowerPoint pour que ce soit plus clair. On a conservé, les historiens romains de l'Antiquité nous ont conservé certains recensements. En 234, avant la guerre, on compte 270 000 citoyens à Rome. En 204, quasiment à la fin de la guerre, 214 000, donc il y a déjà 55 000 morts parmi les citoyens. Et ils ne sont encore que 258 000 en 188, c'est-à-dire que 15 ans après, Rome n'a pas encore reconstitué ses forces vives après les massacres de la Grande Guerre. Les historiens modernes ont pu comparer ces pertes-là à l'invasion de l'URSS par les nazis, par exemple, pour vous donner une idée. En 216, autre exemple de l'impact cette fois plus politique que la guerre a pu avoir sur la société romaine, en 216, les listes du Sénat sont révisées, il faut remplacer 177 sénateurs qui sont morts au combat. Donc la guerre a aussi pour effet de renouveler en partie la classe politique. Sur le plan positif, entre guillemets, Rome a quand même pu démontrer la solidité de son système militaire, puisque la plus grande partie de ses alliés lui était restée fidèle. Les Romains avaient été capables de fournir un effort militaire considérable. Chaque année, ils ont entre 72 000 et 112 000 citoyens sous les armes, sans compter les forces alliées. C'est absolument considérable. La guerre avait été menée par une véritable oligarchie, un groupe de magistrats expérimentés qui avaient, peut-être pas plié, mais disons adapté les lois aux nécessités de la guerre, en suspendant notamment les limites électorales de non-itération des magistratures. Normalement, il y a des limites dans lesquels vous pouvez être réélu d'une année sur l'autre. On a vu que le comptateur, notamment, avait été réélu, que les conditions d'élection au consulat de Publius Scipion étaient respectaient pas vraiment les règles, etc. Globalement, on assiste aussi à un phénomène inévitable, j'imagine, de militarisation de la société. L'âge minimal pour servir dans l'armée avait été plusieurs fois abaissé. L'engagement des soldats s'étendait désormais sur plusieurs années d'affilée. Le rythme traditionnel des campagnes saisonnières était terminé, ça on ne le verra plus jamais. Les pertes économiques engendrées par la guerre suscitent évidemment un intérêt toujours plus grand pour le butin. Et un des héritages, entre guillemets, essentiels peut-être de la guerre d'Hannibal, c'est surtout l'affirmation des hommes providentiels, notamment Scipion, archétype du général victorieux, soutenu par ses troupes, par les dieux. Ça, c'est une image qui deviendra toujours plus manifeste dans les guerres du IIe siècle. Un autre héritage d'Hannibal, peut-être aussi important, c'est la peur, puisque Rome avait été profondément meurtrie sur son propre territoire par la guerre. Elle avait désormais tendance à craindre les attaques de ses voisins. Et cette peur, elle expliquera en partie nombre de décisions de politique extérieure de Rome dans les années à venir, dans le siècle à venir. Bon, maintenant, il faut revenir un peu en arrière parce que, en parallèle de son antagonisme avec Carthage, Rome avait aussi commencé à intervenir en Grèce. Il va falloir que j'accélère. Donc, après la première défaite de Carthage et la transformation des îles en provinces, Rome avait maintenu son organisation militaire, mais ça demande d'entraîner les troupes. Et tous les prétextes sont bons désormais pour poursuivre l'expansion territoriale. La supériorité numérique des Romains à cette époque, elle devient écrasante. Ils sont capables de lever chaque année une armée qui est supérieure à l'ensemble des forces, par exemple, de l'Égypte, de l'Agide ou de l'Asie Séleucide, qui sont deux des grands royaumes hellénistiques de l'époque. Ils pouvaient, bon, on l'a vu, renouveler assez facilement leurs pertes, reconstruire sans trop de difficultés leur
flotte. En 230, en Illyrie, la reine des Illyriens, ou d'une partie des Illyriens, qui s'appelle Teuta, est accusée de favoriser la piraterie. Alors, sans doute pas entièrement à tort, mais là où elle a commis une grande erreur, c'est que le Sénat romain lui envoie des ambassadeurs et elle les fait mettre à mort, de façon très inconsidérée. Alors là, c'est très simple, Rome débarque en Illyrie avec 200 navires et impose un traité, la guerre dure moins d'un an, impose un traité qui retire à la reine une partie de ses territoires qui sont confiés à Démétrios de Pharos, qui était un gouverneur illyrien qui avait trahi la reine pour passer du côté des Romains. En même temps, ce qui est peut-être plus important, c'est la forte activité diplomatique qui est menée par les Romains en Grèce, en parallèle, puisqu'ils envoient aux Grecs des ambassadeurs pour expliquer les raisons de leur intervention. Les Corinthiens, en particulier, remercient les Romains en les acceptant au concours ismique. Donc c'est un des quatre grands concours grecs, avec Olympie, Delphes et Némée. Rome devient désormais une cité philélée, c'est-à-dire amie des Grecs. Démétrios échappe peu à peu au contrôle des Romains, où il s'engage dans des guerres et il multiplie les pillages contre des cités grecques alliées de Rome. Le Sénat décide d'une seconde guerre d'Illyrie. Campagne éclair, 219, triomphe sur les Illyriens. Démétrios se réfugie en Macédoine à la cour de Philippe V, au moment où Hannibal s'apprête à entrer en Italie. Pierre Grimal, qui est un historien français du XXe siècle, écrit en 1953 à propos de la période qui s'ouvre après la guerre d'Hannibal, je cite « Et l'on pensa, comme il arrive après les guerres, que tout rentrait dans l'ordre ancien, mais en réalité rien n'était plus pareil. » Le deuxième siècle, et là je vais vous citer une phrase du manuel, j'en profite pour vous le signaler, c'est le manuel de Stéphane Bourdin et Catherine Virlouvet, Rome et sur cette période de l'histoire de Rome. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, n'hésitez pas à le consulter. Il est très récent, en plus il date de 2021, je crois. Il m'a servi largement. Donc je cite « Le deuxième siècle est un condensé des grandes questions qui traversent notre appréhension de l'histoire romaine. L'impérialisme est quel ou quels impérialismes, singulier ou pluriel, quand on sait que le mot n'existait pas alors. Le rapport à la Grèce, l'influence de l'hellénisme, la tension entre la vertu du groupe, la supériorité des institutions et l'affirmation des mérites personnels des grands généraux. » En 215, au début de la guerre, Hannibal avait conclu un traité d'alliance avec Philippe V de Macédoine. Hannibal, il espérait ouvrir un front à l'est pour compliquer encore la tâche des Romains, et Philippe, de son côté, il espérait récupérer des territoires illyriens et épirotes pendant que les Romains étaient occupés ailleurs et ne pouvaient pas les défendre. En réaction, les Romains s'allient aux Étoliens, qui font contrepoids traditionnellement au pouvoir de la Macédoine en Grèce. Bon, les opérations s'enlisent, un traité de paix est signé en 205 à Phoenicae. Phoenicae, c'est en Épire, vous l'avez... est-ce que vous l'avez sur la carte? Non, vous l'avez pas. Bon, peu importe, c'est pas très important. Un traité de paix est signé. Bon, en réalité, c'est simplement une trêve dans les opérations, puisque Philippe V ne parvient à rien, et les Romains, ça leur permet d'avoir les mains libres pour s'occuper d'Hannibal en Italie. Ils se concentrent ensuite sur Carthage. Dans les suites de la guerre, régler les comptes avec les alliés qui avaient trahi, reconquérir la Cisalpine, s'implanter difficilement en Espagne, etc. Et en parallèle, entre la fin de la guerre d'Hannibal et la guerre de Persée, donc on est entre 202 et 171, Rome joue de plus en plus le rôle d'arbitre en Méditerranée orientale. Alors c'est un rôle qu'elle a peut-être pas cherché au départ, mais qu'elle accepte volontiers, et qui cependant l'entraîne à intervenir sans doute plus qu'elle l'aurait voulu dans les conflits des Grecs, conflits incessants qui opposaient les cités, les ligues et les royaumes hellénistiques. Sa victoire sur Carthage et la façon dont elle se présente comme défenseuse des valeurs de l'hellénisme font d'elle une puissance vers laquelle les Grecs se tournent pour arbitrer leurs différends. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que, en tout cas dans une certaine mesure, les Grecs ont eux-mêmes provoqué leur propre assujettissement à Rome. Pour Jean-Louis Ferrari, un grand historien français qui a beaucoup travaillé sur ces questions de Rome et de la Grèce, les Romains, de leur côté, en intervenant dans cette partie du monde, ils ne se contentaient pas de justifier leur politique à leurs propres yeux, mais ils cherchaient aussi à la justifier auprès des Grecs et selon les valeurs des Grecs, auxquelles beaucoup de Romains reconnaissaient une supériorité culturelle. Et je vous ai mis une lettre de Cicéron à son frère Quintus au moment où Quintus est élu gouverneur de la province d'Asie. Alors on est beaucoup plus tard, on est en 60, mais c'est relativement intéressant quand même de ce que ça nous dit de la mentalité romaine par rapport aux Grecs. Je vous en lis un extrait. « Si le tirage au sort t'avait désigné pour gouverner des Africains, des Espagnols ou des Gaulois, nations barbares et sauvages, il n'en eût pas moins été de ton devoir d'homme civilisé de penser à leur bonheur, de te dévouer à leurs intérêts et à la protection de leurs existences.
Mais quand les hommes placés sous nos ordres sont d'une race qui, non contente d'être civilisée, passe pour être le berceau de la civilisation, à coup sûr, ils ont droit au premier chef à ce que nous leur rendions ce que nous avons reçu d'eux. Ce que nous sommes devenus, nous le devons à des études, à des sciences et arts qui nous ont été transmises par les œuvres et les enseignements des Grecs. Nous avons, semble-t-il, un devoir particulier envers la race des hommes que tu gouvernes. Ils ont été nos précepteurs. Il nous faut avoir à cœur de faire paraître dans nos rapports avec eux ce qu'ils nous ont appris. Ça renvoie aussi à la phrase, la célèbre phrase d'Horace, vous avez peut-être déjà entendu, « La Grèce vaincue a en fait conquis son farouche vainqueur ». Bon, je ne m'attarde pas là-dessus. Pour nous, à ce moment-là, entre sur la scène internationale un nouvel acteur, qui est le royaume hellénistique de Pergame. Fin 201, Attale Ier, qui est le roi de Pergame, Hérode, vous avez sur la carte, donc Hérode, c'est là, ici, en bleu, et le royaume de Pergame, nettement en vert au-dessus, envoie au Sénat des ambassadeurs pour dénoncer la politique expansionniste de Philippe V, qui commence à les inquiéter en Asie mineure et dans les détroits. Les détroits, c'est ce qui est aujourd'hui les Dardanelles et le Bosphore, plus haut, au nord. Le roi de Macédoine, à ce moment-là, dispose sans doute de la meilleure armée de terre des royaumes hellénistiques et aussi d'une flotte puissante. Le Sénat lui adresse un ultimatum, lui interdisant de faire la guerre aux Grecs. Évidemment, Philippe n'en a pas grand-chose à faire. De quel droit le Sénat s'interposerait dans sa politique extérieure? Il oppose une fin de non-recevoir à l'ultimatum romain, mais pour autant, le peuple rechigne à déclarer la guerre. On est en 200, on n'est même pas 2 ans après la fin de la guerre d'Hannibal. Et le peuple romain est réfractaire au danger d'un nouveau conflit. Et c'est le consul, Sulpicius Galba. Alors, pourquoi j'ai perdu le... Ah. C'est Galba qui, dans un discours célèbre, convainc le peuple de voter la guerre. Je vous en cite un extrait. Vous ne semblez pas comprendre, Kirit, c'est la façon dont les Romains se nomment eux-mêmes, que cette consultation n'a pas pour objet de décider si vous voulez la guerre ou la paix. Philippe, qui prépare sur terre comme sur mer une guerre formidable, ne vous laissera pas ce choix. Mais si vous préférez faire passer vos légions en Macédoine ou voir l'ennemi venir en Italie, la différence que cela fait, vous en avez fait l'expérience au moins une fois dans votre histoire, lors de la guerre qui vient de s'achever. Que la Macédoine supporte la guerre plutôt que l'Italie, que ce soit les villes et les champs de l'ennemi qui subissent la dévastation par le fer et par le feu. Donc vous voyez que le peuple romain, il hésite à voter la guerre justement à cause du traumatisme de celle qui vient de s'achever. Et en fait, Galba, il appuie sur ce traumatisme et il s'en sert pour les pousser à voter la guerre. Rome vote la guerre. Encore aujourd'hui, bon, il y a un débat considérable sur les motivations du Sénat pour se relancer dans cette guerre 2 ans à peine après celle d'Hannibal. Est-ce qu'elle est expliquée par un désir de gloire militaire et de butin? Sans doute, en partie, mais pas entièrement. Le traumatisme de la guerre avait, on pense, fait naître une crainte réelle à Rome, en particulier de la Macédoine d'ailleurs, qui s'était alliée à Hannibal quand même pendant la guerre, et qui restait un ennemi potentiel. Là, je vais être obligé de passer très rapidement. La guerre commence en 200, Athènes et les Étoliens rejoignent les Romains, mais les autres Grecs restent neutres. C'est Titus Quintus qui remporte la guerre à Cynocéphale en 197. La légion romaine écrase la phalange macédonienne, qui était considérée comme, à cette époque, l'armée la plus puissante de la Méditerranée. Mais elle est déployée sur un terrain qui n'est pas favorable, accidenté, qui gêne son mouvement. Elle est extrêmement, les fantassins sont très lourds et la phalange est assez peu maniable, contre les manipules beaucoup plus maniables de la légion romaine. Philippe V est écrasé en 197. En parallèle, Flamininus, ça c'est quand même important, avait mené une offensive diplomatique, entre guillemets, en Grèce, pour s'attacher à un maximum de cités et de confédérations, en présentant la guerre comme une guerre de libération des Grecs contre l'hégémonie macédonienne. Donc c'est quand même fascinant de voir que Flamininus applique la même stratégie que Hannibal, quasiment, avait appliquée en Italie du Nord, quand il essayait de détacher de Rome ses alliés. Bon, la paix est conclue, Philippe est obligé de traiter, la Macédoine doit céder toutes ses possessions extérieures, qui sont remises à Rome, verser une amende de 1000 talents, 26 tonnes d'argent, et livrer sa flotte. Flamininus convainc le Sénat qu'il est plus important pour Rome de conserver la faveur des Grecs plutôt que de garder des troupes sur place, et les Grecs retirent leurs troupes de Grèce. Flamininus proclame à Corinthe, aux Jeux Isthmiques en 196, la liberté des Grecs. Alors ça, c'est la liberté des cités grecques d'Europe et d'Asie. C'est un événement assez exceptionnnel pour l'historiographie antique qui en parle. Polybe, notamment, décrit la liesse de la foule quand on lui annonce sa liberté. C'est important parce que c'est un traitement qui est radicalement différent de celui qui est imposé à toutes les populations sur lesquelles l'armée romaine a triomphé.
C'est-à-dire que normalement, on les réduit en sujets ou en alliés, et ici, les Grecs sont déclarés libres. C'est lié à l'admiration romaine pour la culture grecque, on l'a vu, et aussi aux amitiés qui avaient été liées entre les élites romaines et les élites grecques. Pour autant, Rome n'entend pas cesser d'intervenir dans les affaires grecques, dans un sens qui lui est favorable, évidemment. Flamininus, d'abord, d'ailleurs, avant de quitter la Grèce, réorganise notamment la Confédération achéenne et la Thessalie. Et d'une certaine manière, paradoxalement, la liberté des Grecs, la proclamation de la liberté des Grecs est en fait une façon de substituer l'hégémonie de Rome à celle de la Macédoine. Je vous montre le stater d'or de Flamininus. C'est une monnaie exceptionnelle. Elle commémore la proclamation de la liberté des Grecs. Vous avez au droit un portrait de Flamininus de profil, et au revers une Nike, c'est-à-dire la déesse de la victoire, ailée, et qui tient notamment une couronne de laurier, donc qui couronne le vainqueur, au-dessus de l'inscription Te Quinti, c'est-à-dire Titus Quintus, en fait, donc elle couronne littéralement Titus Quintus. Elle est exceptionnelle parce que c'est la première fois, pour autant qu'on sache, qu'un général romain est représenté sur une monnaie de son vivant. En Orient, Antiochos III, qui est le souverain de l'Empire Séleucide, a profité de la guerre entre Rome et la Macédoine pour étendre son influence en Asie mineure. Les cités d'Asie mineure font appel à Rome, le même schéma se répète, Rome pose un ultimatum à Antiochos en lui intimant de respecter la liberté des Grecs, Antiochos n'a aucune raison d'accepter, Rome déclare la guerre, Antiochos avait en plus accueilli en Syrie Hannibal, quand il s'était échappé, quand il avait fui sa patrie en 195. Donc, à Rome, certains s'imaginent déjà un nouveau débarquement ennemi en Italie. Je passe, j'aimerais bien vous parler un peu quand même de l'historiographie, on a encore beaucoup de choses à voir. Les Étoliens, qui étaient dans le camp de Rome, dans la guerre contre Philippe, avaient été mécontents de la façon dont ils avaient été traités après la guerre. Ils espéraient récupérer une partie des possessions qui avaient été prises à Philippe, et en fait Rome les avait gardées ou les avait données à d'autres. Et les Étoliens donc sont mécontents, ils appellent Antiochos pour mener la guerre en Grèce, en présentant Antiochos comme le libérateur des Grecs contre l'hégémonie romaine. On a encore un retournement de la dialectique, c'est vraiment une période assez étonnante sur ce plan-là. Antiochos débarque en Grèce continentale, fin 192, il est vaincu dès 191, il se rembarque pour l'Asie, il abandonne ses morts et ses blessés, et les Étoliens derrière lui, qui sont écrasés par Rome un peu plus tard. Sauf que les Romains, eux, ils remportent en plus des victoires navales, avec le soutien de Rhodes, et ils passent en Asie, ils écrasent Antiochos chez lui, à Magnésie du Sipile en 189, 50 000 morts. Antiochos doit évacuer l'Anatolie, après, c'est la diapositive suivante, il est obligé de traiter extrêmement dur, il doit évacuer l'Anatolie, il a interdiction d'attaquer les peuples d'Europe, il doit livrer sa flotte, livrer ses éléphants, et payer sur 10 ans la somme gigantesque de 15 000 talents, on a encore passé dans un étape au-dessus, 394 tonnes d'argent, 15 000 talents. Mais, encore une fois, comme avec la Macédoine, Rome n'entend pas ni annexer son royaume, ni gérer elle-même les territoires qu'elle a pris aux Séleucides. Les cités en question sont laissées indépendantes ou données à eux-mêmes de Pergame, qui est le successeur d'Attale, ou à Rhodes. C'est ce que vous voyez, hein, les territoires de Mène et de Rhodes s'étendent d'autant que le territoire d'Antiochos a été diminué. Rome ayant vaincu le très puissant empire Séleucide, sa suprématie, désormais, ne semble plus pouvoir être menacée par aucun état méditerranéen. Ça, je passe. La politique romaine en Orient se durcit progressivement pendant une vingtaine d'années. Ensuite, Rome est maintenant méfiante suite à la défection des cités grecques pendant la guerre d'Antiochos. Politique qui se durcit progressivement, qui se transforme en une tutelle plus rigide, en une implication plus forte aussi dans les querelles locales. En parallèle, Philippe V en Macédoine s'applique à relever son royaume, économiquement, démographiquement et donc militairement, tout en se montrant loyal à son alliance avec Rome. Il a pourtant été mal payé de sa loyauté. Le Sénat lui retire une partie des territoires qu'il lui avait promis pour les donner à Mène de Pergame. Et la fin de son règne est en plus assombrie par l'assassinat de son fils cadet Démétrios. Démétrios, il avait été élevé pendant plusieurs années à Rome, puisqu'il avait été envoyé là-bas comme otage après la guerre de Macédoine, ça faisait partie du traité, et il en était revenu peut-être un peu trop pro-romain. Et bon, l'historiographie antique, c'est très difficile de savoir dans quelle mesure est-ce que c'est historique, mais
il aurait peut-être en plus été soutenu par Flamininus. Flamininus lui aurait peut-être proposé son soutien pour le mettre sur le trône de Macédoine à la place de Persée, qui était le fils aîné de Philippe. Et Démétrios est exécuté par son père, ou assassiné, sur ordre de son père. Philippe lui-même meurt dans la foulée, en 179, et c'est Persée, dernier roi de Macédoine, qui monte sur le trône. Il mène une politique plus libérale que celle de la fin du règne de son père, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du royaume. Il rouvre diplomatiquement la Macédoine à la Grèce, il apparaît comme philhellène, ami des Grecs, il lie notamment des alliances matrimoniales. Eumène de Pergame, à nouveau, est inquiet de l'influence et de la popularité du nouveau roi de Macédoine auprès des Grecs. Il se rend à Rome en 172 pour le dénoncer et l'accuser de divers crimes, dont l'historicité est très contestée. Le problème pour Persée, c'est qu'à son retour en Grèce, Eumène il est victime d'un attentat. Il réchappe de très peu à la mort et Persée est accusé de cet attentat. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? C'est aussi un élément qui est difficile à déterminer. Toujours est-il que le Sénat romain se saisit de l'occasion pour déclarer la guerre à la Macédoine. On retrouve un peu le même principe qu'avec les Samnites. Ils ont décidé maintenant, le Sénat a décidé de se débarrasser du problème macédonien. L'armée romaine débarque en Illyrie en 171. Pendant 2 ans, elle s'enlise. Persée parvient à leur tenir la dragée haute, mais il finit par être vaincu à Pydna en 168. Même configuration qu'Acynocéphale 20 ans auparavant, la phalange macédonienne, très lourde, sur un terrain défavorable, écrasée par la légion romaine plus maniable. Gentios, qui était son allié, qui était le roi d'une partie des Illyriens, est aussi défait dans la foulée par une campagne éclair. C'est la dernière guerre d'Illyrie qui se confond avec la dernière guerre de Macédoine, enfin, la troisième guerre de Macédoine, parce qu'il y en a une dernière qui arrive. Donc Persée, alors ça je vais vous le montrer quand même, Persée est capturé et traîné en triomphe à Rome. Il faut 3 jours à Rome pour faire défiler toutes les richesses qui sont prises à la Macédoine. Une quantité de richesses tellement énorme que l'impôt individuel qui pèse sur les citoyens romains, ce qu'ils appellent le tributum, est suspendu pendant plus d'un siècle. Il sera réactivé qu'après les guerres civiles, que pendant les guerres civiles, en 40 ou en 41, je crois, après l'assassinat de César. Vous voyez peut-être, alors on ne le voit pas bien, mais... C'est quand même assez marrant. Persée, il est derrière le char, il est présenté un peu comme un roi gaulois. Vous avez vu, avec les mèches blondes, c'est vraiment un tableau de la fin du 18e. Donc, la monarchie macédonienne est abolie. La Macédoine est divisée en 4 républiques qui sont laissées autonomes, mais pas réduites en provinces. Rome n'est pas encore prête à franchir le pas de la provincialisation en Grèce et en Macédoine. Je passe. Un autre événement très important, immédiatement après la défaite de Pydna. Alors en ce moment, Antiochos IV, le fils d'Antiochos III, qui avait été vaincu à Magnésie du Sipyle, profite du fait que les Romains sont occupés ailleurs pour envahir l'Égypte. C'est la dernière guerre de Syrie. À ce moment-là, au moment où Persée est écrasé à Pydna, Antiochos IV, il est sous les murs d'Alexandrie, il s'apprête à prendre la ville et à conquérir l'Égypte. Dès que les Romains ont vaincu Persée à Pydna, ils envoient Cnaeus Popillius à Alexandrie, il rejoint Antiochos, qui est un allié du peuple romain à ce moment-là, qui l'accueille comme un ami. Et Popillius, lui, donne un ultimatum en lui disant « Ta guerre est terminée, tu lèves le siège et tu rentres chez toi. » Évidemment, Antiochos IV, il ne comprend pas ce qui se passe, il s'énerve, il lui dit « Mais comment ça ?» Popillius, l'événement est célèbre parce qu'il trace autour de lui avec un bâton, un cercle, et il dit à Antiochos IV « Tu ne sors pas de ce cercle tant que tu n'as pas obéi à Rome. » Et si tu en sors sans avoir obtempéré, tu seras considéré comme un ennemi du peuple romain et nous te ferons la guerre. Et Antiochos IV est obligé d'obtempérer. Donc l'Égypte entre à son tour dans la sphère d'influence de Rome, puisqu'elle a été sauvée par Rome, et le poids de Rome sur la scène internationale est devenu parfaitement écrasant. Dans les années suivantes, les ambassades grecques à Rome se font de plus en plus nombreuses. Mais le maintien de l'ordre international, entre guillemets, n'est pas chose facile pour Rome, puisque les Grecs s'opposent continuellement les uns aux autres. Les Romains ne cherchent pour autant pas à intervenir militairement avant 149, lorsque un certain Andriscos se fait passer pour le fils légitime de Persée et lève une révolte en Macédoine. Il arrive à lever une armée, il défait d'abord une légion romaine et il est ensuite écrasé. Donc à ce moment-là, Rome envoie 2 armées. Il est écrasé par Quintus Cecilius Metellus, à la seconde bataille de Pydna en 148. Dans la foulée, la Macédoine est cette fois réduite en province, puisque Rome décide que quand même il est temps de,
de limiter le risque que ce genre de révolte ne se reproduise. Et en parallèle, un énième conflit menace de s'ouvrir entre Sparte et la Confédération achéenne. En 147, un ambassadeur romain était venu annoncer à Corinthe le démantèlement d'une partie de la Confédération. Bon, évidemment, les Corinthiens n'ont pas très bien pris. L'ambassadeur est insulté et chassé de l'Assemblée. Pourtant, Rome envoie deux autres ambassades, plutôt que de déclarer la guerre immédiatement, comme elle l'avait fait par exemple quand son ambassadeur avait été humilié à Tarente, un siècle et demi plus tôt. Ça, c'est quand même vraiment la preuve que Rome cherche plutôt le compromis, plutôt que l'intervention à Rome. Une deuxième ambassade, puis une troisième. La troisième est conduite par Metellus lui-même, le vainqueur de la Macédoine, un an auparavant. Il est encore très mal reçu. Polybe, l'auteur Polybe, rapporte que Critolaos, qui est le chef de la confédération achéenne, déclare « Je veux bien être l'ami des Romains, mais il ne me plaît pas de les avoir pour maître. » Dans la foulée, la confédération déclare la guerre à Sparte. Et alors là, la réaction de Rome est immédiate. L'armée de Metellus écrase la confédération. Critolaos est tué au combat. Corinthe est prise. Elle est pillée, elle est rasée. Ses habitants réduits en esclavage ou exécutés. Ses œuvres d'art déportées à Rome. Donc c'est un événement d'une brutalité extraordinaire qui a frappé l'historiographie antique. Corinthe, c'était une ville qui, à ce moment-là, avait peut-être 2000 ans d'existence déjà, 1500 ans d'existence. Et c'est vraiment, la Grèce est frappée au cœur par la destruction d'une de ses cités les plus brillantes. L'Achaïe et ses alliés sont réduits en province, sous le commandement du gouverneur de Macédoine. À ce moment-là, le sort de la Grèce est réglé. Rome était dans le même temps engagée sur d'autres opérations, d'autres terrains d'opération. Carthage n'était plus vraiment un problème ou une inquiétude sur le plan militaire, mais elle avait connu un redressement économique exceptionnel. La richesse de Carthage était telle qu'en 191, donc on est 10 ans après la fin de la guerre d'Hannibal, elle propose de régler d'avance les 40 années restantes qui lui restent à payer d'indemnité de guerre. Donc c'est quand même gigantesque quand on se souvient du montant de l'indemnité, c'est impressionnant. À Rome, une partie de la classe politique s'inquiète du redressement punique. L'acteur le plus célèbre de cette époque, c'est probablement Caton, avec son Delenda Carthago, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il concluait toutes ses interventions au Sénat par cette phrase qui signifie « Et je dis que Carthage doit être détruite », quel que soit le sujet de l'intervention par ailleurs. Donc, il appelait, lui, à une guerre défensive, voire préventive, en fait. Mais face à lui, un autre parti défendait l'opinion que l'existence de Carthage était nécessaire à la puissance de Rome. Nécessaire pour que Rome demeure ce qu'elle était, pour l'empêcher de s'amollir et de tenir sa puissance pour acquise. Il faut 2 ans de débat pour que la position de Caton l'emporte. Et là, je vous cite une phrase du manuel de Catherine Virlouvet. « Cela fait presque 22 siècles que l'on se demande pourquoi. Pourquoi cette position l'a emportée? Pourquoi Rome déclare la guerre? Toutes les hypothèses ont été avancées. Le caractère belliqueux des Romains, leur appât des richesses, la protection des intérêts des marchands romains qui pouvaient être menacés par la restauration de la prospérité de Carthage. En fait, les raisons, c'est toujours la citation, les raisons avancées à l'époque par Polybe sont certainement les bonnes. Le Sénat, et plus encore le peuple romain, éprouvait une crainte réelle devant le relèvement de la cité punique. » Alors, c'est facile de juger a posteriori, peut-être que cette peur était irrationnelle. Il ne faut pas oublier quand même qu'à l'époque, Rome était confrontée simultanément à des soulèvements sur tous les fronts. En Grèce, en Espagne, etc. Enfin, en Grèce et en Espagne. Donc, Polybe explique que donc, la décision avait été prise et que Rome attendait simplement, comme souvent, le prétexte parfait. Depuis longtemps déjà, la chose était décidée, on cherchait une occasion favorable, etc. C'est repris par Appien. Rome cherchait des prétextes, si minces fussent-ils. Le prétexte, il est donné par Massinissa. Bon, je suis désolé, la carte n'est pas très jolie, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée. Massinissa, donc le roi du royaume numide, qui empiétait sur le territoire de Carthage et qui était allié de Rome. Rome arbitrait ses disputes régulièrement, mais quand même de manière générale, souvent à l'avantage de son allié, évidemment. Et Carthage finit par se défendre elle-même, ce qui lui est interdit par le traité qu'elle a signé avec Rome. Et Rome se sert de ce prétexte pour déclarer la guerre à Carthage. Alors, les Carthaginois, ils ont pourtant tout fait pour éviter cette guerre. Pendant que Rome rassemble son armée en Sicile, ils livrent 300 otages qui sont pris à l'élite de la cité. Lorsque les Romains ensuite débarquent en Afrique, la ville d'Utique se rend sans combattre. C'est la deuxième ville du territoire de Carthage. Les Carthaginois livrent leur stock d'armes. Ils acceptent une reddition complète.
Mais les Romains qui ont décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec leur ennemi héréditaire, entre guillemets, leur intime l'ordre de quitter la ville, qui doit être rasée, pour en fonder une plus loin à l'intérieur des terres, moins proche de la côte. Ça, c'est une demande qui est tout bonnement inacceptable. Elle est reconnue comme telle déjà par les historiens de l'Antiquité. Et Rome, en fait, ne peut s'estimer satisfaite qu'après la destruction intégrale de Carthage. Carthage se réarme en hâte. Elle se lance dans une guerre désespérée. Elle va jusqu'à enrôler les esclaves pour se défendre. Elle soutient un siège héroïque de 3 ans. Et en 148, c'est Publius Cornelius Scipio Aemilianus, francisé en Scipion Émilien, qui est le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, le vainqueur de Carthage dans la Seconde Guerre, dans la guerre d'Hannibal, et qui s'était lui-même déjà illustré en Afrique et en Espagne. Il est aussi le fils biologique de Polémique, le vainqueur de la Macédoine, donc ascendance plus que prestigieuse. Il est élu au consulat, et il prend la ville en 146, après une semaine d'atroces combats de guérilla urbaine. La ville est rasée, les survivants sont vendus en esclavage, le sol est consacré aux dieux infernaux, il n'est pas salé. Vous avez peut-être entendu dire que le sol de Carthage avait été salé pour que rien ne repousse, ça c'est une légende postérieure. Et ne serait-ce que sur le plan économique, ça aurait coûté une fortune de saler le territoire d'une cité, ça n'a jamais eu lieu. Les Romains n'ont jamais pratiqué ça, d'autres peuples je crois l'ont fait, mais pas les Romains. Et le territoire de Carthage devient la province d'Afrique. Cette période de conquête et de domination entre la guerre contre Persée et la destruction de Carthage, elle est marquée par 3 actes de ce que Pierre Grimal a appelé une sorte de terrorisme d'État. La destruction de Carthage, la destruction de Corinthe et la destruction de Numance ensuite, en 133, qui est une ville espagnole, pour frapper un grand coup contre les soulèvements perpétuels des populations ibériques. Je passe très rapidement sur les conquêtes postérieures, je vous l'avais dit. Dans la suite, en 133, Attale III, roi de Pergame, lègue son royaume à sa mort par testament à Rome. La province d'Asie est formée en 129, parce que Rome doit batailler un peu avant de pouvoir s'assurer de sa possession. Quelques décennies après, Ptolémée Appion, qui est le roi de Cyrénaïque, il est mort sans descendance, il lègue également son royaume à Rome, donc c'est la province de Cyrénaïque, la fondation de la province de Cyrénaïque en 96. La Gaule cisalpine n'est transformée en province qu'en 81, même si il y a des opérations depuis un bon moment déjà, depuis 2 siècles quasiment. S'ensuivent les conquêtes de Pompée, qui ajouteront plusieurs provinces à Rome, la Gaule transalpine en 70, la Syrie en 64-63, lorsque ce qui restait de l'Empire Séleucide est abattu, je crois que c'est Antiochos XIII, dernier souverain qui est vaincu par Pompée. L'Abitinie et le Pont en 63, après les guerres contre Mithridate VI, César soumet les Gaules à la fin des années 50, et enfin le royaume Lagide et sa dernière reine Cléopâtre sont abattus en 31-30 par Octave, futur Auguste, après sa victoire sur Marc-Antoine à Axios. Il va falloir que je choisisse maintenant ce que je vais vous dire, parce que j'ai dépassé largement. J'aurais voulu aborder un peu la façon dont ces questions complexes ont été diversement abordées, autant par l'historiographie antique que par l'historiographie moderne. Alors, les Romains n'ont pas de mot pour impérialisme. Impérialisme, c'est évidemment un mot qui dérive d'empire, qui dérive du latin imperium. Imperium, le verbe imperare signifie commander, et l'imperium, c'est le pouvoir de commander, et par extension, la zone géographique sur laquelle s'étend ce pouvoir, le pouvoir du magistrat romain. Les Romains n'avaient pas de mot pour dire l'impérialisme. Le terme lui-même, il semble français, forgé dans le premier tiers du XIXe siècle pour désigner des positions favorables à l'Empire de Napoléon. Il est ensuite attesté chez Michelet en 1846 pour désigner cette fois le système de gouvernement et de domination de l'Empire romain. Et il prend ensuite un sens plus large à la fin du XIXe dans le cadre de la politique d'extension de l'Empire britannique. Pour ce qui concerne les historiens antiques, Polybe est peut-être le premier, en tout cas le meilleur analyste de l'expansion romaine. Son ouvrage tout entier est consacré à cette question, comment Rome est-elle parvenue en si peu de temps à la domination mondiale. Il explique ça dans la préface de son œuvre. Comment et grâce à quel gouvernement l'État romain a pu, chose sans précédent, étendre sa domination à presque toute la terre habitée, en moins de 53 ans. Les Romains ont forcé presque tous les peuples de la terre à leur obéir, etc. Ils l'ayant emporté dans leur guerre contre Carthage, estimant que sur la voie qui les menait à la domination universelle, ils venaient de parcourir l'étape décisive, ils s'enhardirent pour continuer leur conquête, et exécutèrent leur projet de domination mondiale, avec l'aide, vous notez, c'est important, de la fortune, tuché en grec, c'est en bas,
qui avait dirigé les événements pour leur faire atteindre un seul et même but, c'est-à-dire l'union de la Méditerranée sous Polybe. Donc ça, c'est la conception de Polybe. Il montre vraiment un projet de domination mondiale de Rome, on a vu que ce n'était pas le cas, et il montre Rome soutenue par la fortune, donc c'était vraiment quelque chose qui devait arriver. Je vais passer là-dessus. Donc ça, c'était intéressant parce qu'on a dans les sources antiques l'expression, à la fois, dans les sources romaines d'ailleurs, à la fois de la position des ennemis de Rome et de Rome elle-même. Donc les ennemis de Rome décrivent les guerres de Rome comme des guerres cupides. C'est le cas de Jugurtha, qui est vaincu à la fin des années 100 avant notre ère. Les Romains sont un peuple injuste d'une cupidité sans borne, ennemi de tout le genre humain, carrément. Il cite les Carthaginois, Persées, qui ont été vaincus précédemment. Mithridate VI, qui mène une guerre aussi contre une des dernières guerres contre Rome, dans les années 60. Les Romains n'ont jamais eu qu'une seule raison de faire la guerre à toutes les nations, à tous les peuples, à tous les rois, c'est un désir insatiable de pouvoir et de richesse, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez les Romains, qui défendent eux-mêmes la politique de Rome. Discours de Lépide en 79. Que prétendions-nous défendre contre Pyrrhus, Hannibal, Philippe, Antiochus, sinon la liberté, nos foyers à chacun et le droit de n'obéir à personne qu'aux lois ? César, alors ça c'est assez extraordinaire, le discours de César à ses troupes en 58, il explique en fait que l'impérialisme est nécessaire pour se défendre. Tout simplement. S'il est vrai que les gens qui se contentent de profiter tranquillement de leurs biens les mettent précisément en péril, tandis que ceux qui, déjà abondamment pourvus, recourent à la guerre pour acquérir les possessions d'autrui, conservent ainsi les leurs, comment peut-on dire qu'il ne faut pas constamment étendre nos possessions ? Et il cite, etc. Donc, tout ça, c'est des dialogues. Donc, c'est probablement, en partie au moins, reconstitué par les historiens de l'Antiquité, mais ça vous donne une idée de la mentalité, quand même. Brièvement, sur l'interprétation moderne, bon, au XXe siècle, le concept il a été théorisé par, en particulier, trois grands noms, John Hobson, Vladimir Lénine et Joseph Schumpeter. Je vous ai mis des extraits qui sont choisis un peu arbitrairement, mais parce qu'ils illustrent bien ce qui vient d'être dit dans l'historiographie antique. Ça résonne avec un extrait de Schumpeter. Alors Schumpeter, il parle des Hyksos, le nouvel empire égyptien. Mais ça s'applique à peu près à tous les empires, à tous les impérialismes de l'Antiquité. Je vous le donne en traduction. Cette nouvelle organisation sociale et politique était essentiellement une machine de guerre. Elle était motivée par des instincts et des intérêts guerriers. Elle ne pouvait trouver un exutoire et maintenir sa position intérieure que par la guerre. Sans un recours perpétuel aux armes, elle se serait nécessairement effondrée. Je passe. Créée par les guerres qu'il exigeait, la machine créait désormais les guerres qu'elle exigeait. Une volonté de conquête large et sans limite tangible, la prise de position manifestement intenable, tel était l'impérialisme typique. Et de l'autre côté, 20 ans après, vous avez Paul Venn, un Français, qui s'interroge sur « y a-t-il même eu un impérialisme romain ?» Je rappelle que l'impérialisme nécessite, la façon dont on le définit, nécessite une volonté de conquête. Paul Venn, il se demande si vraiment les Romains étaient cupides et avaient cette volonté de conquérir pour conquérir. Et il écrit en particulier « Rome ne cherche pas l'hégémonie ni des extensions territoriales pour elle-même, mais recherche une liberté d'action unilatérale. Seule de son espèce au monde, alors que les États gréco-macédoniens vivaient entre eux comme entre des semblables, elle n'a jamais admis la pluralité des États et cherche à se procurer une sécurité définitive en restant seule au monde. » La pluralité n'étant pas admise, l'idéal pour Rome est d'occuper à elle seule le monde entier, afin de supprimer définitivement le problème de la politique étrangère. Telle est sa forme archaïque d'impérialisme, ou plutôt d'isolationnisme. Donc c'est assez frappant comme interprétation, pardon, pour Paul Venn. L'impérialisme de Rome est un isolationnisme. Ça remonte un peu finalement à ce que disait César. Dans le discours de César, il faut conquérir nos voisins parce qu'on ne sera pas en sécurité tant qu'on n'aura pas conquis le monde habité. Entre ces deux positions extrêmes, bon, je vous le passe comme ça vous l'avez sur le PowerPoint, vous pourrez le revoir sur la vidéo, quelques jalons historiographiques de l'étude de l'impérialisme romain, je m'attarde pas, je vais conclure. Et je passe, on aurait pu parler aussi, bon, je vais vous dire ça en un mot. Vous avez Craig Champion à la fin de la liste quasiment, Roman Imperialism, Readings and Sources, 2004. Donc ça c'est un ouvrage bilan qui est pas mal, qui est assez pratique.
Et l'auteur dresse un bilan de la littérature moderne en classant les approches modernes de l'impérialisme romain en trois types. Donc traduit de l'anglo-saxon, de l'anglais, l'approche métrocentrique, l'approche péricentrique et l'approche systémique. En un mot, l'approche métrocentrique, elle considère que l'expansion territoriale est une conséquence des structures institutionnelles et des caractéristiques sociales de la métropole, c'est-à-dire de Rome. Donc elle suppose que l'impérialisme est produit par Rome, que Rome est au centre de la production de son propre impérialisme. Jusque-là, ça peut sembler évident. Mais l'approche péricentrique, quasiment à l'opposé, symétriquement, de l'approche péricentrique, de l'approche métrocentrique, pardon, l'approche péricentrique donc considère que l'expansion territoriale, elle est engendrée au contraire de l'extérieur, par la périphérie, par les États qui sont en voie d'être conquis. Ça, c'est ce qui a pu être décrit par l'historiographie anglo-saxonne comme un empire by invitation, un empire par invitation. Donc c'est le cas, par exemple, typiquement des Grecs qui ont appelé Rome pour s'entremettre dans leurs propres disputes et qui ont, d'une certaine manière, mis le pied à l'étrier pour les conquérir après. La dernière théorie, c'est la théorie systémique, qui considère que l'expansion territoriale est une conséquence nécessaire d'un monde sans droit international, caractérisé par une compétition généralisée entre États. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où l'anarchie, au sens littéral, où l'anomie règne au niveau international. L'anarchie, c'est l'absence de commandement, l'anomie, c'est l'absence de loi, étymologiquement. Donc la compétition généralisée entre États entraîne nécessairement l'impérialisme, et il se trouve que c'est Rome qui s'en est sorti parce que Rome était la plus puissante, pour des raisons ou pour d'autres. Bon, on peut ranger les arguments ou les causes ou les analyses de l'impérialisme dans cette typologie, mais on n'est pas obligé de choisir entre elles. Le plus pertinent, c'est probablement de croiser les catégories, comme souvent, et d'expliquer l'impérialisme romain par de façon multifactorielle, certains facteurs ayant une importance plus ou moins grande à certains moments. Un mot de conclusion. L'Empire, comment ? Comment l'Empire s'est constitué ? Rome a une histoire guerrière qui a produit des institutions et une mentalité progressivement favorables à la guerre et efficaces dans la guerre. Elle a un territoire avec de nombreuses ressources qui s'élargit en plus à chaque conquête et une démographie considérable. Pour moi, c'est vraiment un des éléments de la conquête de Rome, la démographie de la péninsule italienne et le développement d'une capacité de projection. La flotte, c'est vraiment l'élément aussi central de la puissance romaine et de la conquête romaine. L'Empire, pourquoi ? Est-ce qu'il faut vraiment chercher à répondre à cette question ? C'est le principe que je viens d'évoquer avec les analyses de l'impérialisme. La recherche de butin, évidemment, la gloire, la peur aussi, on l'a vu, et ponctuellement les circonstances extérieures favorables qui ont entraîné Rome toujours plus loin, typiquement en Grèce. Je vous remercie.